Je vais vous expliquer comment tout débloquer sur le Lego de Fortnite. Alors c'est très très simple, tous les objets que vous allez pouvoir récupérer, enfin débloquer, donc ça s'appelle des schémas, tous les schémas vous allez les débloquer en obtenant les objets requis. Donc par exemple, si je veux débloquer le petit propulseur, il faudra que dans mon inventaire, au moins une fois, j'ai eu des tiges de bois, de la poudre explosive et des torches. Dès que j'aurai eu ces trois éléments là, je débloquerai le schéma du petit propulseur. Et c'est pareil avec tous les autres schémas. Donc tout ce que vous pouvez construire et qui vous demande des ressources en particulier, par exemple le pressoir, le tailleur de gemmes, etc., le four, etc. Dès que vous avez les ressources requises, là vous obtiendrez le schéma pour le construire. Donc en réalité, si vous voulez tout débloquer dans le Lego de Fortnite, il faut farmer toutes les ressources, tous les objets, tout ce que vous pouvez obtenir, faut les farmer. Donc voilà, vous les farmez au moins une fois. Dès que vous les avez dans votre inventaire, là vous débloquerez les schémas en conséquence. Et c'est pareil aussi pour toutes les armes. Si vous avez des armes que vous n'avez pas encore débloquées, il suffit juste de débloquer, enfin d'obtenir la ressource en question qui est demandée en requis pour obtenir le schéma de construction et ensuite créer vos armes et vos amulettes, etc. dans vos établis. Alors il reste une dernière chose aussi qui va vous permettre de débloquer des choses exclusives à chaque biome que je vais vous présenter. Alors par exemple, si vous êtes dans le biome désert et que vous créez un totem, là dans ce totem, vous allez pouvoir l'améliorer, donc ce sera un village que vous allez créer dans le désert, que vous allez pouvoir améliorer au niveau 10. Et pour chaque amélioration, vous allez débloquer des constructions uniques, donc comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc le but, c'est de créer un village dans le désert pour débloquer toutes les constructions du désert. Ensuite, vous allez dans le biome prairie. Donc là, normalement, c'est par celui-là que vous avez commencé. Et regardez ce biome-là aussi, enfin ce totem-là aussi, quand vous allez l'améliorer niveau 10, il va vous donner des constructions uniques au biome. Donc le but, c'est aussi d'améliorer votre village niveau 10. Et ensuite, vous allez tout simplement dans le biome terre glacée et vous allez construire un totem également. Donc regardez, là j'ai créé un totem dans les terres glacées et quand je vais dessus, si je l'améliore au niveau 10, je débloquerai plusieurs bâtiments qui sont exclusifs au thème terre glacée. Alors bien évidemment, c'est le village le plus difficile à construire, mais c'est celui qui vous donne les plus beaux bâtiments, je trouve. Donc c'est un peu des bâtiments asiatiques, hein, chinois comme ça, japonais, et je les trouve très stylés. Alors il y a une autre ressource aussi, enfin d'autres éléments débloquables que vous pouvez débloquer. Alors je ne sais pas exactement comment les débloquer, peut-être que vous allez les débloquer comme ça au fur et à mesure que vous allez jouer, mais je sais que j'ai des objets. Donc là je suis en mode bac à sable, donc par exemple si vous avez des objets que vous vous demandez comment les débloquer, donc vous allez tout simplement en mode bac à sable et vous allez regarder les ressources qu'il vous faut pour les débloquer. Après, je sais que moi j'ai débloqué certains objets avec des personnages, donc je les ai fait par exemple, j'ai fait travailler par exemple un personnage dans les tissus pour qu'elle me fabrique des tissus et ensuite j'ai débloqué des schémas. Alors je ne sais pas s'il y a certains schémas que vous pouvez débloquer uniquement via les personnages en leur donnant des missions, mais en tous les cas en mode bac à sable vous pouvez voir tous les objets qui vous manquent si jamais ça vous intéresse de tout débloquer. Et si vous en savez plus à ce sujet là, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Code créateur SCM.